oui, Michelet dit toujours que c'est le seul roi dont les Français aient gardé la mémoire. Moi, je pense que c'est sa réussite politique parce qu'il s'est trouvé dans une France complètement éparpillée pendant la guerre de religion qui ont duré 40 ans et qui sont exactement le temps du milieu de sa vie. Il a 6 ans quand ça commence, il a 45 ans quand il éteint la guerre de religion. Et il se trouve avec une France tellement éparpillée qu'il a, si on veut comparer à notre époque moderne, une extrême gauche qui est l'organisation protestante et une extrême droite très réactionnaire et même intégriste qui est la Ligue, qui sont les catholiques forcenés. Et il arrive, il fait une opération à la Macron, excusez-moi, il réunit les deux centres, le centre des modérés protestants et des modérés catholiques. Et il a pour ça une arme extraordinaire qui est une arme du cœur, qui est un sens extraordinaire du pardon et de la miséricorde. Et c'est ce qu'il va mettre en œuvre et c'est ce qui va lui permettre d'aboutir avec son charisme en plus. Il a laissé l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'est capital parce que l'édit de Nantes, c'est une pré-constitution de la France. C'est la première fois qu'on décide que des Français, quels qu'ils soient, catholiques ou protestants, et à l'époque c'était le jour et la nuit, vont vivre ensemble. Hein. Et donc c'est un signe très très fort parce que c'est à la fois le signe de l'option que la France prend dès ce moment-là pour l'intégration, c'est ce que nous vivons toujours en 2018, alors que les pays tout autour, l'Espagne ou si vous êtes protestant, on vous tue, et où le Saint-Empire germanique, où on décide que c'est tel prince, telle religion, sont des pays du corporatisme. Donc la marque de la laïcité et la marque, effectivement, de la politique, qui est le choix de l'intégration des gens hétérogènes, ça date d'Henri IV. Et ça va même au-delà, ça place la France dans la sphère de la tolérance. Et on peut même dire que c'est tellement fort que, par-delà la révocation de 1685, qui est un crime politique, la France reste le pays de la tolérance. Au XVIIIe siècle, les philosophes sont les gens de la tolérance grâce à l'édit de Nantes, en dépit de la révocation. Ah, ben oui, il a laissé son empreinte à Pau, ne serait-ce que le château, ne serait-ce que le moment où il était un peu forbant, parce que jusqu'en 1584, où il n'est pas encore l'héritier du trône, il joue à fond la carte de la gasconisation. Alors donc, il y a une cour très gasconne, où il va, il parle très bien le gascon, et ensuite, évidemment, il va parcourir sa destinée vers le nord, et là, il va être, il verra de très mauvais oeil qu'on puisse continuer à parler gascon, et il ne reviendra jamais à Pau. C'est un homme qui a le sens des réalités, même en éliminant ses amours premières.